Alors, les jeux de Calibre Games 2022. Alors, je suis avec Michael. Michael, mon gars, man. Alors, comment c'était? Dis-moi, attends. C'est quoi? L'année dernière, moi, j'ai raté tout la compétition. J'étais derrière en train de tout préparer la fin de la compétition. J'ai rien vu. Tout ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu dans comment dire, la vidéo que Xavier a fait, bien sûr, man. Alors, dis-moi, toi, c'est quoi t'as retenu l'année dernière? Genre, si tu veux comparer l'année dernière à cette année, c'est bien sûr que cette année, c'est genre, c'était plus organisé. Yeah. Il y avait plus de gens, il y avait plus de hype. Yeah. Unfortunately, cette année, j'étais blessé. L'année passée, j'étais correct. Je venais de venir de voyage. Et cette année, j'ai une blessure au lower back. Yeah. Genre, il y a mon nerf sciatique qui est pété. Donc, j'ai pas pu bien performer avec tout ce que je veux. Yeah. Mais quand même, j'avais pas train pour genre une semaine et demie. J'avais train genre la veille aussi. Mais j'ai quand même fait quelques trucs, j'ai pu être troisième, c'était bon. Mais l'année prochaine, là, attendez-vous à un gros niveau, les gars. Yeah. Yeah, maintenant, it's game season, mon gars. it's game season. Yeah. So, dis-moi. Alors, c'est quoi la différence entre l'année dernière et cette année-là? On va dire en cours, dis-moi. Si tu veux comparer les reps avec le statique et tout ça, genre overall... Le statique, la compétition de statique. Genre, d'un, les juges étaient mieux. Ouais. Le grading system était mille fois mieux. C'est qui qu'on a eu comme cette année? Comme juge? Ouais, on a eu Xavier Cormier, aka Calstan X-Pro. Yeah, shout out. On a eu Félix Boucher, ancien champion. Et on a eu Woody, King Woody. So, moi, à mon avis, c'était genre des meilleurs juges. Et le grading system était mieux. Donc, on a eu plus de chances pour avoir nos catégories et tous ces trucs. So, moi, pour moi, c'était genre une bonne compétition là. Et j'espère que l'année prochaine, ça va être comme ça. Apparemment, l'année dernière, les rounds étaient un peu durs à suivre. C'était comme exact. 45 secondes, 60 secondes, et la dernière. Et il y avait un 10 minutes de repos, puis à la fin, c'était comme 2 minutes. Yeah. Puis là, dis-moi comment ça s'est passé en tant qu'athlète l'année dernière quand tu as essayé. En finale, l'année dernière, 2 minutes en finale, c'était genre beaucoup. You know? So, genre, j'ai fait ma round. Yeah. Je devais me reposer genre 30 secondes pour faire un autre truc. Et genre disant que j'ai fait déjà 2 rounds avant de genre 1 minute je pense. Ouais, donc c'était genre beaucoup, t'étais pas genre optimal en tant qu'athlète en finale, you know. So maintenant c'était mieux, maintenant il y avait juste 2 rounds. À mon avis, ça pourrait être 3 rounds, parce que s'il y aurait une troisième round, je pourrais faire genre encore plus de trucs et peut-être ça augmenter la chance que je gagne par exemple, you know. Mais c'était correct, c'était une bonne compétition, il y avait plus de hype. Et ouais, j'espère l'année prochaine, il y aura 3 rounds, 45 secondes. Mm-hmm. Donne-moi un peu de temps pour préparer, on verra. Yeah. Oh, cette année, t'as fait encore ta touche personnelle. Hein? C'est quoi ta touche personnelle? Dans une bouteille d'eau et qu'est-ce qui se passe après quand tu fais ça? Ouais, genre, puisqu'il y a des points sur la créativité, j'essaie de genre être plus créatif, faire des trucs que pas trop de monde sont en train de faire, comme par exemple le truc de one arm front lever avec l'eau. J'aime bien faire ça, c'est à beaucoup de points,
Là, je suis en train de le dire, si tu as envie de faire ça contre moi l'année prochaine, tu es la bienvenue, je te ferai quelque chose d'autre. Tu vas faire des dumbbells, bicep, one lever. Voilà, one lever. Ça devient plus facile pour moi parce que tu es en train de créer plus de leviers. Ouais, ouais, c'était quand même une très bonne compétition là et on verra l'année prochaine. Yeah. Et dis-moi, mais là t'as fait, c'est quoi tes runs que t'as fait cette année, on va dire, et c'est quoi, on va dire que t'as fait et t'as aimé, et ce que, on va dire, des imperfections que t'as trouvé que t'aurais pu corriger là, on va dire. Genre, c'est quoi ta pensée de tes runs en gros? Ah, c'était vraiment nul à mon avis. Moi c'est vraiment nul parce que je peux faire vraiment plus. Ouais, ouais, ouais. Mais parce que je suis blessé, j'avais pas envie de faire des trucs que peut-être avec le temps ça va me blesser encore plus. Et moi j'avais dit que depuis une semaine et demie que j'allais pas m'entraîner du statique, donc je suis venu à la compé, mais je me suis juste dit que je vais juste la faire pour ne pas perdre une expérience pour moi et genre pour augmenter la communauté aussi au Canada, à Montréal. Donc je pouvais faire des press, je pouvais faire des push-ups, je pouvais faire plein de choses, des maltese, mais j'ai pas trop fait pour ne pas augmenter ma blessure. Mais c'était quand même bien, je pouvais être mieux. Attends, tu sais quoi, faut pas oublier que Michael est derrière tout ça quand même, parce que les gens étaient un peu décidés de compétitionner cette année pour certaines raisons. Mais l'affaire, c'est que Michael, qui était blessé, ok, a poussé les gens à dire, en tant que dire, que pour la compétition et pour la communauté, il faut montrer, pour développer, avoir beaucoup plus de personnes, exact, qui participent, il faut se démontrer. Même si que le monde veut être numéro un et ils pensent qu'ils ne vont pas être numéro un, c'est une question d'avancer le game ensemble. Et aussi l'affaire, c'est qu'il a dit aussi, que moi j'avais dit, c'est bien mon gars, tu fais ça et t'as pas besoin de compétitionner là. Bah, toi tu m'as dit, tu fais pas la compétition. Yeah, moi j'ai dit, tu fais pas la compétition mon gars, parce que tu peux pas payer et c'est un gros risque mon gars. Alors, mais il a dit, si Samir y va, moi j'y vais. On a dit, non mon gars, fais-le pas, non. Samir est rentré, il nous a tous éclaté, Samir là, il a tout fait. Ouais. Mais l'année prochaine, je veux ta tête, monsieur Samir. Ouais, l'année prochaine, c'est un autre game. Yeah, yeah. Alors, pour de vrai, Michael, mais j'apprécie, mon gars, c'est fou. Alors, ça, c'est la deuxième fois que tu as participé à Calibre Games. Ouais. Et on va travailler encore plus sur l'événement et tout on ça. Fait aussi les reps. Oh, alright, ok. Oh, mon gars, t'es une vraie machine, oublie ça, mon gars. Yeah, mais pour la compé de Max Hold Back Lever, là. Oh, yeah, vas-y. Bon, l'année passée, genre, quand je l'ai faite. Le moment où j'ai haussé un tout petit peu ou bien j'ai baissé, je me rappelle plus, c'était off, j'étais second, je me rappelle. Ouais. Là, quand on était, moi et l'autre personne, je sais pas, on est le temps qu'on était en back lever, genre après une minute, je pense, ouais, on est devenu en banana. Ouais. Donc ouais, personne n'a arrêté. Ouais, ouais. Mais là, je pense qu'on doit revoir la vidéo et pour dire qui doit la voir. Tu sais quoi? Yeah, yeah, yeah. On va travailler sur ça, mon gars. C'était un peu, on va dire, so-so. La vidéo, on va passer sur ça. C'est un peu controversé, mon gars. C'était, ok, j'étais là, j'ai vu mes yeux. Mais comme je dis, ce que je dois dire, Michael, mon gars, c'est que je ne suis pas le juge. Je donne la décision au juge librement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler. Oh, les juges, pour le statique, c'était, on va dire, pour le last man stand, c'était Carissé, c'était Matteo et Jason. C'était les deux personnes à ce moment-là. Mais Matteo, c'est mon boy, là. Il doit me donner. Ok, il faut lui parler non, là-bas dis-lui, maintenant. Dis-lui. Matteo, ça fait 3 ans que je m'entraîne avec toi, mon gars. Je n'ai pas compris, là. Tu ne me donnes pas la faveur. Arrête. Well, je sais pas quoi dire à part que j'essaie de pas avoir de bias dans ma compétition. C'était bias, bon, as fuck. Ok, yo. Alors, à part ça, as-tu un autre point à rajouter ou quoi que ce soit sur l'événement, que ce soit du statique, de la compétition ou on va dire en général? En général, je suis pas venu à temps pour la compétition de reps, donc j'ai pas trop vu. Mais l'année prochaine, j'espère que si maintenant, genre tout l'hiver, je vais grind sur basics et reps, weighted, tous ces trucs, peut-être l'année prochaine, je fais aussi ça. On verra. Moi, personnellement, je dois te parler de ton run, mon gars. Quelques trucs. Personnellement, comparé à l'année dernière, je ne peux pas comparer parce que je n'ai pas vu la compétition à part la vidéo avec la bouteille qui m'a marqué quand j'ai vu ça. J'ai raté ça, mais damn! Encore une fois, l'année passée, tu as raté ça. Non, cette année, je ne l'ai pas raté parce que j'étais en train de filmer. La vidéo s'en vient. Yeah. Quand je l'ai vu, je l'ai. Oh, il l'a fait. En plus, je l'ai même pas vu venir. La bouteille est sortie d'où? Elle était par terre? Je m'en souviens pas. Mis genre de côté. Parce que moi, je t'ai filmé et puis elle a dit, oh,
Où est sortie la bouteille? De nulle part la bouteille est sortie, bu ouais. Et tu l'as lancé, mon gars. Yeah, mais le round pour de vrai. Celle-là, ça m'a fait mal. Quand j'ai fait ce move, ça a déclenché mon nerf là. Oh man. Mal. Et puis quand je suis monté en planche, j'ai pas pu faire la planche, donc ça m'a. Parce qu'à cause de la one arm front lever, parce que tu sais, tu dois être genre rotated à un seul côté. Ouais. Donc ça a beaucoup marqué ma blessure. Donc quand je suis monté, la barre aussi a bougé. On n'était pas sur les dip bars, on était genre de ce côté. Pourquoi cette année les dip bars vous n'avez pas fait? Est-ce que ça je sais pas. Positionné? Ouais, je pense parce qu'on était de ce côté ici. Donc je pouvais utiliser les autres barres et faire mieux, mais elle a bougé la barre là. Ouais, je sais, j'ai vu ça, je dis, bah, comment ça va les on n'a pas utilisé les parallèles. Et je pense que c'est à cause du fait que par le fait qu'on est positionné et les barres étaient loin, on a sûrement évité ça. Exact. C'est ça, ça c'est mon erreur. J'aurais dû essayer de mettre comme les jugements au milieu, comme ça, ça allait faire comme l'année dernière. Ça, c'est not bad. Yeah, moi, je voulais aller là-bas, mais j'ai vu que les juges étaient ici, donc je me suis dit, ah, ouais, je vais pas faire ça. Ça, c'est, j'ai pas pensé à ça, c'est chiant, man. Désolé pour ça, mais ça t'a coûté ta position. Ouais, ça m'a coûté. Ah, fuck, Je pouvais avoir mieux. Mais quand même, les performances, oublie pas. Toi, tu voulais quand même. On a essayé d'avoir qualification avec ses bars, ça a pas tellement marché, là. On a eu parce que lui, il était en quarantaine. Si on a dû avoir des barres plus longues, je peux faire plus de trucs. Dis-moi. Alors, comment. Alors, toi, les barres, c'est pas les meilleures barres, hein, quand même, là. Ici? Ouais. Dis-moi à quel point t'adores les barres. Montréal, s'il te plaît, emmenez-nous des barres. C'est quoi ça? C'est nul. Genre, vraiment, s'il y aurait des barres qui sont longues et genre des proper bars, tout le monde aurait dû mieux performer. Ce serait vraiment le bon setup pour une parfaite statique ou dynamique. Exact. Ouais. Mais il faut faire une compé aussi dynamique, genre du freestyle en général. Mais comme ici, on n'a pas de bar, donc s'il vous plaît, get-nous des bars. Ouais, c'est pas New York. Je voulais aller à New York, mon gars. Ah ouais? Oh man. Yo, Wana, lui, il a performé là, il a quand même bien performé. Ouais, ouais. Malgré les situations, c'était nice de sa performance. Mais là, il est en train de travailler pour l'année prochaine. Man. C'est bien. L'année prochaine, sûrement. Maintenant, j'attends mes papiers, mes trucs là. Ouais. Anyway, l'année prochaine. L'année prochaine. Alors, c'est ça, mon gars. J'apprécie, mon gars. Dernière chose que tu veux dire avant de partir? It's gain season. All right. Calibre Gains, let's go. It's on the way.